La Commission européenne estime que des progrès suffisants sont atteints dans les négociations avec le Royaume-Uni. Les avancées exigées par l'UE ont été réalisées dans les trois dossiers jugés prioritaires, notamment la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, le règlement financier et les droits des citoyens expatriés. Ces progrès permettent l'ouverture de la deuxième phase de négociation sur la future relation commerciale entre l'UE et le Royaume-Uni. Mais le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, prévient que le plus dur est à venir.